Marina Abramović est une artiste serbe de renommée internationale. Née à Belgrade en 1946, c'est une figure majeure de l'art corporel body art qui s'est décrite comme la grande mère de l'art performance. À travers ses performances, elle étudie les frontières du potentiel physique et mental. Plusieurs de ses œuvres des 30 dernières années en étaient brutales et perturbantes. Abramović dépassa ses limites physiques et mentales en se lacérant et même congelant son corps sur des blocs de glace. Au nom de l'art, l'artiste prit des produits psychoactifs et des contrôles musculaires qui lui causèrent des pertes de connaissances. Et durant l'exécution d'une de ses œuvres, elle se trouva presque morte d'asphyxie sous un rideau de flammes. Pour elle, le corps est un lieu de sacrifice et de légende. Body art est un mouvement artistique des années 1960-70 qui décrit un ensemble de pratiques qui placent le langage du corps au centre d'un travail artistique. L'art corporel transforma profondément l'art contemporain à partir des années 1950. Certains historiens de l'art trouvent qu'on pourrait chercher l'origine de l'art de la performance dans l'art de gestes, notamment dans la peinture de gestes de Jackson Pollock. Ole et Marina Abramović, une histoire d'amour qui changea le monde de l'art à jamais. Les relations amoureuses peuvent être vues comme une grande œuvre performative. Abramović et Ole collaborent pendant 12 ans en créant une œuvre commune. Ils réalisent des performances dans lesquelles les paramètres de l'existence humaine sont mis à l'épreuve. Ces couples d'artistes expérimentent les limites des relations entre deux êtres. Dans Light and Dark, ils donnent des gifles mutuelles assis par terre durant des heures pour tester leur résistance. Dans Breathing In, Breathing Out, en 1977, ils collent leurs bouches l'une contre l'autre pour respirer l'air des poumons de l'un et de l'autre, chacun à son tour, jusqu'à ce qu'il ne reste que du gaz carbonique. Relation in Time, une performance qui fait appel à la durée. Marina et Ole se tiennent pendant 17 heures, dos à dos, les cheveux attachés l'un à l'autre par un nœud. Au bout de 16 heures passées sans mouvement, le public est invité à assister au reste de la performance jusqu'au dénouement total de cheveux. Ici, Marina et Ole se tiennent de part et d'autre de l'entrée de la galerie, nus. Le public participatif était contraint de passer dans l'espace étroit entre les deux corps pour rejoindre le lieu de l'exposition. De l'année 1980, on retient Rest Energy qui met à l'épreuve la vie de deux amants dont les corps face à face mettent en tension un arc chargé vers le cœur de Marina. Pour leur dernière performance à deux, Marina et Ole décident de marcher sur la muraille de Chine séparément, chacun partant à l'autre bout pour se rejoindre au milieu. Cette performance est censée symboliser les retrouvailles d'un couple amoureux, mais les gouvernements chinois tardant pour leur donner l'autorisation, le voyage ne s'organise que 8 ans après l'initiative. À ce moment-là, leur couple est en pleine rupture. Malgré tout, ils ne modifient pas leur plan. Comme prévu, ils réalisent cette performance en marchant pendant 3 mois sur les 400 000 km de murailles qui les séparent. Après 3 mois de marche à la rencontre de l'autre, ils se retrouvent enfin pour se séparer définitivement. Chacun repart dans la vie de son côté.
La grande rétrospective Marina Abramović, The Artist is Present, eut lieu en 2010 au Musée d'art moderne MoMA à New York. Ça fut une nouvelle performance de l'artiste. Deux chaises face à face, l'une accueillant l'artiste, l'autre le public, pour un échange, les yeux dans les yeux, en silence. L'artiste offrait aux visiteurs la possibilité de plonger leurs yeux dans les siens pendant 60 secondes. Durant 3 mois, chaque jour d'ouverture, l'artiste resta à 6-7 heures et demie sans manger, boire ou s'élever, un exploit d'endurance mentale et physique, un défi, même pour une habituée de ce type de performance. Abramović recroisera 20 ans plus tard le regard de son amant Ulay parmi plus de 100 000 personnes venues s'asseoir à tour de rôle en face d'elle. Sa réaction a été particulièrement émotive envers Ulay lorsqu'elle lui tendit la main et versa une larme. Cela fut une surprise pour Marina de faire face à cette personne qu'elle aimait et qu'elle finit par détester. 4 ans plus tard, Ulay intenta un procès à Marina. En 2016, elle dut verser 250 000 euros à son ex-amant et partenaire artistique en compensation de vente de leurs œuvres de collaboration. Marina Abramović est une pionnière en matière de performance artistique. Connue pour ses mises en scène convoquant fréquemment la nudité et la privation comme mode d'expression corporelle, l'artiste inspira les générations suivantes. Regarder une performance a un impact plus direct qu'une œuvre plastique et entraîne une pulsion scopique. Cette pulsion est considérée comme positive car elle pousse les spectateurs à voir toujours au-delà. De ces faits, une performance est séduisante car elle est éphémère et ne nous offre jamais deux fois la même expérience. L'art de la performance, c'est l'art présent, vivant. On peut situer son origine dans les premiers rituels observés à la préhistoire où les humains utilisaient leur corps, le temps et l'espace pour communiquer entre eux. Ça serait ainsi le domaine de l'art le plus ancien et le plus humain. Merci.